Bonsoir. Et non les gars, c'est Djorkaf, j'espère que vous allez bien. Moi ça va au top de ma forme, on se retrouve aujourd'hui pour un pack opening. Ça faisait extrêmement longtemps et aujourd'hui un pack opening de qualité. On va packer 4 packs à 50 000 crédits. Donc voilà, 4 packs à 50 000 crédits. Voilà, je peux pas le faire avec mes doigts, vous l'avez remarqué. Ça fait quand même 40 balles à peu près sur le marché Xbox Live en termes de points FIFA. Donc voilà, j'ai remarqué que les youtubeurs disaient jamais ce que ça faisait en euros. Je sais pas, peut-être qu'on a un tabou autour de ça. Moi j'ai aucun tabou autour de ça. Voilà, j'ai mis 40 balles dans le jeu. On va voir s'il y est même bien. Je ne sais pas, je vais pas te mentir, pour l'instant la chance elle est mitigée sur ce FIFA. J'ai eu quand même un joueur à plus de 400 000 crédits. Allez voir sur mes anciennes vidéos, hein, vous le trouverez sans problème. Hein, le titre est quand même flash. Donc voilà, on va essayer de packer du lourd pour 40 euros. Et je sais pas vous pour cette vidéo, mais moi je sens qu'on va packer du lourd. Du très très lourd. Je sais pas pourquoi, j'ai cette impression là. Pour les 7 ans de fut, on va packer du sale. Je sais pas, c'est peut-être moi, comme ça, dans mon siège à 1h du matin qui se dit ça. Mais je sais pas vous, vous qui êtes sur... Sûrement, moi c'est comme ça que je faisais quand j'étais petit, en train de regarder ses petites vidéos sur son portable, en train de manger son 4h, je ne sais pas. Moi je regardais souvent mes vidéos quand je mangeais mon 4h, je regardais à l'époque The Gonto is Back, je regardais Sakari avec Montpellier, etc. Toutes ces anciennes séries Road to Messi, et je regardais ça en train de manger mon 4h, petit pain de Nutella, tout ça tu connais, petit coca. Dites-moi ce que vous mangez à 4h, hein, si votre vie est passionnante comme moi et que vous avez que ça à foutre de le raconter en commentaire sur YouTube, bah allez-y, moi c'est ce que je fais. Donc voilà, dites-moi ce que vous bouffez à 4h. C'est le sondage le plus pourri de l'histoire, on peut le dire, voilà, de l'histoire des sondages, c'est le plus pourri. Mais voilà, ça m'intéresse. Écoutez, on fait ce qu'on peut. Donc voilà, on y va directement pour packer ces 4 petits packs à 50 000, enfin non, ces 4 gros packs à 50 000. Donc juste avant de commencer tout ça, j'ai oublié de te montrer l'équipe de la semaine, bien sûr, elle est juste là. Il y a quand même du Gonzalo Higuain, hein, 90 de général. Ça fait la différence. Bon, bien sûr, Paul Pogba qui a fait un super match avec la France. Bien sûr, un joueur que j'aimerais énormément packer. Je pense que c'est le joueur que je préfère dans cette Team of the Week. C'est bien sûr Atem Ben Arfa, l'ancien joueur de Marseille. Encore une fois, je sais que vous avez été pas mal à me vanner sur mon training de l'OM que j'ai porté le jour même de la défaite 5-2 de l'OM face à Rennes. Et puis ensuite, il y a quand même une belle équipe de la semaine. Même le petit Navas, hein, au gardien, est très intéressant, les mecs. Donc voilà, belle équipe de la semaine. Et il y a aussi les joueurs qui ont changé de poste. Je ne sais pas si je vais pouvoir vous les montrer juste ici. Voilà. On a notamment en ce moment Ronaldo BU, Alaba milieu défensif, Sanchez buteur, etc. Donc voilà, même Bale buteur, impressionnant, Griezmann milieu droit, ça va être du très très sale. Donc là, je sais ce que vous me dites. Djorkaf, il y a 7 packs à 50 000, pourquoi t'en ouvres que 4? Et mon frère, on n'est pas partenaire de crédit, nous. Nous, on fait pas les malins, nous, notre argent, on l'a mis de notre poche. Moi, si je packerais un pack opening... J'ai mal terminé ma nuit, j'ai pas dormir, je te le dis. Non, parce qu'il y en a, ils dorment sur leurs deux oreilles, ils achètent des comptes à 200 millions de points FIFA. Pas ici. Donc allez, c'est parti. Les packs, on est parti, on espère packer du sale. J'ai mis ma capuche, pas qu'il fait froid, c'est juste, voilà. Je trouve ça fait stylé, ça fait un peu empereur site. Ou pas, d'ailleurs, hein, pas se mentir. Allez, c'est parti, premier pack à 50 000 crédits, les mecs. Allez. Vous voyez, j'appuie. C'est parti, everybody, c'est par là l'écran, on regarde ça ensemble tout de suite. Shinjin Kagawa et Begovic. Ok, non sans déconner, c'est une blague, it's a fucking lie. Il y a encore Cassano. Cassano, le mec il doit voir, mais je ne sais pas, il a quel âge, attendez, je fais le calcul mental, attention. Vous pouvez compter, hein, on joue à des chiffres et des lettres ensemble. Hein. Ça fait 8, ça fait 18, 18 et 16, 32, 34 ans. Il a 34 ans, le petit Antonio Cassano. Voilà, si vous êtes trouvé avant moi, vous pouvez dire que vous êtes, vous avez un niveau baccalauréat S scientifique. Voilà, allez, ça dégage ce pack de merde. Allez, on continue. On continue parce que la chance n'attend pas. La chance n'attend pas et seule... Les gens qui packent provoquent le talent et peuvent avoir de bons joueurs. Et nous, on aura Arturo Vidal. C'est pas mal, Arturo Vidal. C'est pas mal du tout. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Voilà, on a Distin, on a Jimmy Briand. C'est un peu moins bien, Jimmy Briand. Mais en tout cas, je crois que le petit Vidal, ça se revend 20 000 crédits. Et c'était un choix que je voulais. Je voulais le mettre dans mon équipe. Je voulais le tester. Donc, c'est pas dégueu. Je vais l'ajouter au club. Et le reste, je pense que je vais le discard. Allez, pour l'instant, on n'a rien de spécial. Si on a eu le Vidal, Vidal c'est bien, Vidal c'est sympa, Vidal c'est un très bon milieu central, blablabla. Je l'avais même mis dans ma prédiction Totti et résultat, j'ai eu faux parce que j'aime trop le football sud-américain, sûrement. Et donc c'est parti, troisième pack, le quatrième, on va pas le regarder parce que le quatrième c'est la fin, donc la fin on regarde pas.
Voilà, CQFD. On aime les CQF. Non, pas père, mère, tes hackers. Et oui, ça record, putain, c'est en train de record. Père, mère, tes hackers, les mecs. Oh non. Non, je vais pas. Oh, Kevin Trapp. J'avais pas vu, sans déconner, je vous jure, j'avais pas vu. Kevin Trapp et père, mère, tes hackers dans un pack. Yeah, mais putain, de merde. On a eu Bellerin, hein. Moi, j'aime bien ce joueur, donc je vais le garder. On va l'ajouter à des transferts, pareil pour Vidal. Deux joueurs rapides. Ça fait la diff sur flûte, un jour quand je serai énervé, ça passera. Je vous le dis, ça passera. Et allez, le dernier pack, je vais me tourner. Ceux qui disent, non Mytho, on voit que tu vois l'écran derrière sur le reflet de ta... Laisse-moi tranquille mon frère. On va se tourner. Voilà, là je vois plus l'écran, mais là je vous vois. Magique. Allez, attendez, je regarde juste, voilà, j'ai plus qu'à faire A. Et c'est parti, là je vous fixe vous, moi je ne vois pas ce qu'il y a à l'écran. Là j'ai même vous défixer. Là-bas il y a mon aperçu, donc je vais arrêter de regarder. Voilà, donc là je ne vous regarde pas, vous m'entendez sûrement pas. Je vais me tourner, je vais fermer les yeux, ce sera mieux. Cette vidéo est en live, elle est beaucoup trop mauvaise. On va ouvrir les yeux, je ne sais pas ce qu'il y a. Alors, on va mettre quelque chose au clair. Ça fait deux fois, on a Sylvain Distin. Donc déjà on se fout de notre gueule, parce que Sylvain Distin, c'est loin d'être le haut du tableau. Et ensuite, on a Aduriz en meilleur joueur. Aduriz, je vous rappelle, c'est ça. Oh, la frappe d'Aduriz, sans contrôle. Incroyable. Cet homme a du génie en lui. C'est le meilleur buteur de la compétition. Contre l'Olympique de Marseille, voilà. Donc je pense que c'est un signe. Et je pense qu'il fallait pas paquer plus longtemps. Voilà. Je pense que cette vidéo s'arrête dans les meilleurs détails, des détails possibles. On va quand même paquer hein, les 300 points FIFA qui nous restent. Hein. On va pas faire nos juifs à garder 600 points FIFA dans notre coin, genre « Non, c'est pour une draft !» Oui, c'est... Eh, c'est grave pas con. C'est pour une draft. Voilà, donc j'ai de paquer Xavier, un joueur qui ne sert à rien, alors que j'aurais pu l'utiliser pour une draft, pour un tweet my draft. Ça arrive bientôt, les gars. Au passage, hein, j'ai pas envie de parler, tout ça... Mais il y a un truc Minecraft qui arrive bientôt et ce sera avec ces 300 points FIFA là que vous voyez à l'écran. Enfin, je sais pas pourquoi je vous montre, hein, ça sert à rien, ça se trouve, je sais pas où je serai placé sur l'écran. Mais en tout cas, Xavier, tu dégages, voilà tout simplement. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si elle t'a plu, tu peux poser un petit like en dessous, ça fera extrêmement plaisir. Si tu veux de nouveau, pas trop de nouveau. En tout cas, on se laisse ici, je sais pas pourquoi je parle tout doucement, peut-être parce qu'il est 1h du matin et que si je parle trop fort, mon arme va arriver, casser la porte et me défoncer. C'était Joe, tu veux des pâtes, je sais pas. Bye tout le monde.